Salut, c'est Strater, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super méga bien. Et aujourd'hui, on fête les 1000 abonnés. Wouhou, champagne. Quoi? Quoi? J'entends? On est déjà à 1200 abonnés. Wouah, encore plus génial. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Je suis à la bourre dans mes vidéos, comme toujours. Merde. Désolé les gars. Ouais, il faut en sortir plus vite, je sais, mais bon, voilà, je suis occupé, quoi. Bon, on fait ça quand même. Allez, musique, maestro. Et on fait tourner les serviettes, comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes, c'est net, mais c'est bon pour la tête. Et on fait tourner les serviettes, comme des petites girouettes. Ah, c'est quoi cette musique de merde? Ah, je devais la faire celle-là, hein. Je devais faire mon bof, voilà, voilà. Après tout, on est là pour rigoler, hein. Allez, revenons à nos petites archères en sucre d'orge. Aujourd'hui, je vous avais promis, dans la dernière vidéo, qu'on allait imiter les youtubeurs français sur Clash of Clans. Eh ben, chose promise, chose due chez Strater. Je préviens, ça va clasher les youtubeurs, parce que là, ils vont tous me haïr, déjà qu'ils m'invitaient pas sur leur chaîne, parce qu'ils me connaissaient pas. Alors là, ils vont même plus m'inviter. Ils vont jamais m'inviter. Ils vont me détester et je m'en tapote les couilles. C'est ça qui est bon. Allez, sans plus attendre, on est parti pour le festival de conneries. Salut les barbares, c'est Sergent Fatih. Bon, aujourd'hui, je vais vous commenter un replay. Alors pas de Don't Cry, ce clan, c'est incroyable comment il joue, mais je commente un replay de Axel Yoko. Bon, alors là, ça commence, là. Voilà. Là, il pose son roi. Là, il y a un sort. Boum! Boum le ballon, ouais. Ah, ça a l'air pas trop mal, ce qu'il fait, quand même, ce joueur-là. Oh, il y a un sorcier qui a volé. Voilà. Oh, il passe les cochons à droite et à gauche. Alors ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Je suis presque sur le cul, là, quand même, là. Parce que là, j'ai l'impression que ça va faire un 3 étoiles. Voilà, je vais zoomer. Voilà, je zoome. Là, on voit mieux quand même. Hein. Oh, des soins. Ah, ça, c'est bien joué. C'est vraiment bien joué. Il lui reste encore la reine. Et là, les cochons qui font un joli travail. Là. Vraiment, c'est une belle porcherie, hein, si je puis me permettre l'expression. Voilà. Ah, bah là, attention, la bombe. Oh là 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 là, j'ai eu peur pour mes petits cochons, là. Mais c'est bon. Ils ont pu survivre. Voilà, le loulou n'était pas là. Voilà. Et puis, le sort de la reine. Bon, c'était pas terrible, hein, là, pour casser un mur. Mais il n'y a plus rien. Voilà. C'est pas aussi bien que Don't Cry. Mais c'est pas mal, quand même, ce que fait ce joueur-là. Voilà, une technique très très sympa. En HDV9, quand même. Un gros push avec des cochons. C'est toujours très sympa. Voilà. Je mets en x2 parce que vraiment, il n'y a plus d'intérêt. Mais c'était quand même très très bien joué de la part de ce joueur-là, vraiment. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Allez, ciao, c'était Sergent Fatih. Yo les gens, c'est Sauron, la voix entraînante de YouTube. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais devoir vous commenter... un replay de Clash of Clans, ce jeu-là que j'aime plus, hein. Moi j'ai fait le tour, du jeu, voilà, j'ai tout vu, tout fait. Les techs n'ont pas évolué, hein. D'ailleurs, Strater fait une technique qui est vieux comme le monde, je pense. D'ailleurs, j'ai jamais vu cette technique, mais enfin, elles sont toutes connues, quoi. Ça n'a pas beaucoup évolué, ce jeu-là. Donc si vous aimez Clash of Clans, bah, continuez à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, moi j'aime plus du tout jouer à Clash of Clans, je préfère les autres jeux maintenant. Mais c'est pour ça que je fais des vidéos sur Clash of Clans. Parce que, voilà, tu peux commenter d'ailleurs ce que je suis en train de dire. Parce que, enfin, la partie là, je pourrais la commenter, mais je comprends pas très bien le jeu, hein, j'ai jamais fait un 3 étoiles. Et je sais que Strater en fait, lui. Donc, voilà, il y a plein de choses complexes là qui sont en train de se passer, mais les techs n'ont pas beaucoup évolué, je peux vous le dire. Ça, j'en ai une certitude.
Voilà, élimine le château de clan, bah voilà, comme il y a un an d'ailleurs. Comme quoi ça a vraiment pas changé, hein, Clash of Clans. Voilà, il sort un roi, bah comme d'habitude. Donc pourquoi je commenterai cette partie, je ne sais pas. C'est Strater qui m'a forcé à commenter son replay, bien évidemment. Voilà. Tu peux t'abonner donc à Sauron, hein, la chaîne Sauron COC, c'est moi. Si tu veux des vidéos sur Clash of Clans d'un mec qui n'aime plus ce jeu-là, mais bon, au moins, bah au moins, je sais pas. Enfin, en tout cas, tu pourras laisser ton commentaire, mettre un gros pouce vert. J'ai une voix pas plus entraînante d'habitude. Ah oui, parce que je mets de la musique de fond. Voilà. Et on sent que Strater me fait dire exactement ce qu'il veut. Et c'est un petit peu saoulant parce que il a pas tort. Voilà. Lui au moins il aime le jeu, mais pas moi. Voilà. Mais continue à t'abonner, hein. Vous êtes plus de 160 000 sur ma chaîne et ça fait vraiment plaisir. Et tu peux laisser un commentaire d'ailleurs en bas de la vidéo. Et d'ailleurs ce soir je vais faire un live à 20h. Si tu veux venir me faire des dons, ben franchement j'en serais vraiment vraiment ravi. Alors que là ça a l'air un peu tendu sur la partie quand même là. Oulala, oulala, le roi va peut-être mourir. Et alors si le roi meurt là, ben à mon avis. Ça va pas très bien se passer. Oh, heureusement, il a fait la tour de l'enfer et donc les guérisseuses sont là et donc ça va survivre. Hein. Voilà. J'ai quand même compris des choses dans Clash of Clans. Voilà. Je vais pas refaire les techniques qui sont vieilles. Pas comme celle-là. Enfin, celle-là, elle est vieille. Je sais pas de quand elle date, mais voilà. Ça a pas beaucoup évolué Clash of Clans à petit niveau comme le mien. Enfin, moi je suis gros niveau HDV10, mais j'ai jamais fait 3 étoiles. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à faire des dons sur mes lives Twitch ou à commenter cette vidéo et à mettre des pouces verts et à t'abonner et abonner tous tes voisins. Voilà, c'était Sauron COC. La prochaine fois, je mettrai une musique entraînante pour faire croire que c'est intéressant. Allez, ciao. Oh, j'ai été trop méchant là, je peux pas la garder celle-là. Oh, allez, si je la garde. 6Azulf, on se retrouve aujourd'hui pour un replay HDV9, 3 étoiles de la part de Mdal. Vous allez voir un replay de toute beauté et je vais vous expliquer cette stratégie complexe qu'il va mettre à l'œuvre. Alors, regardez d'abord la composition. On a 6 archers, 5 casse-briques, 12 ballons. Je sais pas combien de ça, je vois plus rien. Trois sorcières, un renfort, et on vous allez voir lequel, des héros quand même non maxés à noter, et au niveau des sorts, de la furie, bah oui, avec les ballons, c'est logique, un saut donc pour les héros, et bien évidemment, l'incontournable poison, voilà, qui n'est pas maxé dans ce replay. Donc, en quoi ça consiste? Si on regarde la base, en toute logique, c'est assez facile à comprendre. Je vais vous l'expliquer pour que vous aussi, vous fassiez un 3 étoiles. C'est très, très logique. Alors d'abord, on aperçoit 4 anti-aériens donc, sur le bas de la base. Donc vraiment qui défendent cette partie-là. Mais toute cette partie-là que vous voyez ici n'est pas défendue par l'aérien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'attaquer cette partie très anti-aérienne et on va pouvoir après lancer des ballons. Très logique ce que fait ce joueur-là, sans qu'il n'y ait une protection de molosse puisqu'il n'y a plus de tourelle anti-aérienne. C'est vraiment très bien pensé de la part de Mdal et c'est exactement ce qu'il fallait faire sur ce village. Ça me paraît logique, ça vous paraît aussi logique. Voilà. Que dire? Donc, par où attaquer d'entrée de jeu? Eh bien, le plus simple, comme il n'y a pas de mer, comme il n'y a pas de mur, excusez-moi, c'est pas totalement logique ce que j'ai dit, mais là c'est logique. En tout cas, donc, on va attaquer par ici et par là. Voilà, je vais faire des flèches, bien évidemment, ça va être très très clair. Voilà. Et là, je crois que vous comprenez parfaitement le plan d'attaque. Donc on va attaquer par le bas ce village en éclatant les tourelles antériennes. Une fois que c'est fait, eh bien les ballons vont faire leur travail pour terminer ce plan parfait. Voilà, ça fait longtemps que vous attendez le replay. Alors ben, je vais vous montrer
de cette attaque maintenant. Donc on est parti pour ce replay après ce plan extrêmement clair et limpide, pas fait par un enfant de 4 ans. Je veux absolument pas l'entendre dans les commentaires. Donc on lance d'abord deux ballons de la part de Heimdall. Pourquoi ? Pour sortir le château de clan. Il a sorti un dragon. Il y a très probablement encore deux ballons à l'intérieur, puisque vous savez que les ballons, logiquement, ne peuvent pas attaquer d'autres ballons, donc ils ne sortent pas du château de clan. Et regardez les archers qui sortent. Malheureusement, il y avait des Tesla un petit peu pas prévus. Bonne réaction d'Heimdall qui essaye de décaler son archer. Et malheureusement, ces Tesla qui font Heimdall a eu beaucoup de difficultés à sortir ce dragon. Logiquement, un petit piège de Tesla, c'est sympathique. Alors, des sorciers lancés par deux, c'est intéressant. Surtout qu'ils cadrent l'attaque pour éviter qu'elle s'évapore directement sur les côtés. Et on lance immédiatement les héros et les sorcières. Un petit rage lancé sur le côté gauche pour aider l'attaque. C'est assez bien joué. On lance le saut du côté du roi. On espère qu'il va rentrer à l'intérieur. Et vous allez voir, malheureusement, illogiquement, il ne va pas prendre ce saut. Il va poursuivre son chemin sur le côté gauche. Mais heureusement, quelques squelettes et quelques sorciers vont prendre le centre. Et ça va suffire à détruire ces dernières entières. Vous voyez, les quatre entières sont tombées. Tombent. Voilà, ça paraît assez évident. Ce qu'il fallait démontrer a été montré. Et là, on lance tout de suite l'attaque aérienne. Selon l'équation epsilon xy... dans la démonstration mathématique. Enfin, dans l'explication de Clash of Clans. Sur cette partie. Voilà. Et des ballons qui se concentrent un petit peu malheureusement, ils se concentrent. Mais pourquoi on a ces côtés droits ? Eh bien, en toute logique, il y avait les sorcières et la reine, moins costaud que le côté gauche avec les golems et le roi. Donc c'est très bien, là aussi réagi. Heimdall avait certes un plan initial, mais il a su à chaque fois réagir à ce qu'il se passait, un petit peu modifier son plan. Et c'est là une très belle chose. Vraiment, quelle démonstration mathématique, quelle partie de Clash of Clans logique nous avons pu assister. Et regardez, il reste même encore son poison et des sorciers pour vous dire que c'était assez facile pour lui. Bravo à lui. J'espère que vous avez aimé et que vous ferez aussi des 3 étoiles grâce à mes explications extrêmement logiques et claires. Allez, je garde celle-là, c'est bon. Eh bien, salut les amis, salut les copains. C'est Kawabunga, j'espère que vous allez super, trop méga bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un replay de pas n'importe qui, de Super Saiyan. Donc j'espère que vous avez liké cette vidéo. En tout cas, mettez déjà votre pouce vert en bas, faire atteindre les 10 000 pouces verts. Ça va être la folie totale, XDR, NDR, LOL, PTDR, hashtag, trop rigolo. En tout cas, c'est déjà parti, l'attaque sous vos yeux de Super Saiyan. En tout cas, tu peux me suivre sur Twitter, sur Facebook, hashtag Kawabunga, XPDDR, LOL. Là, c'est parti, en tout cas, sur une attaque sur la droite. Et il y a des cochons, je comprends vraiment plus rien. Et puis à gauche, il y a d'autres cochons. Ouais, c'est chouette. En tout cas, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vert en bas. Voilà, en tout cas, une super attaque avec beaucoup de sorts à l'écran. N'hésite pas à mettre un gros pouce vert, surtout. Et de joindre mon Facebook que tu retrouveras juste en dessous en lien de cette vidéo et même sur l'écran. Oh là là, c'est super bien passé, dis donc, cette attaque. Hein, il reste beaucoup d'unités. C'est extraordinaire. Et même la reine, elle est complètement full en point de vie et encore avec son ultime. Donc là, une super attaque de Super Saiyan. Hein. En tout cas, c'est beaucoup de super. Hein. Oh, c'est trop rigolo. N'hésite pas à mettre un commentaire sur ce commentaire. Voilà. C'est fini. Ah, oh, ça a été trop court. Alors bon, tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Twitter hein, pour pas me quitter. Il y a aussi ma Switch TV. Il y a aussi plein de liens. C'est tout dans la vidéo. Et voilà. Et surtout, mets un gros pouce vert pour dépasser peut-être les 10 000 likes. Peut-être les 15 000 si c'est la folie. Voilà, c'est déjà terminé. C'était Kawabunga. Je vous remercie tous. Et abonnez-vous à la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur tous les social networks.
Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo pour les 1000 abonnés. Bon, on est à 1002, même quasiment 1003. C'est cool, je vous remercie. Je ne m'attendais pas à un tel succès. Ça n'arrête pas d'exploser à chaque fois, alors que je ne suis pas très productif dans mes vidéos. Mais je vais essayer de l'être à l'avenir. Hein. Je vais faire des vidéos un petit peu moins construites pour vous en sortir un petit peu plus, bande de petits gourmands. Voilà, au niveau des gens, j'aurais pu commenter des commentateurs plus importants, etc. Mais voilà, je préfère commenter des gens que j'aime bien. Je me moque d'eux, je me fous de leur gueule. C'est à prendre au 3e, au 6e, au 21e degré. Je déforme, j'amplifie bien vite évidemment ce qu'ils sont. Hein. Vous avez compris avec Azuf qui fait appel tout le temps à la logique. Voilà, Kawamuga qui est un petit peu un Jones. Bon, alors du coup, on se fout de la gueule des Jones au passage. Voilà, où il y en a une qui aurait pu faire du téléphone rose avec sa voix. Vous avez compris, c'était vraiment... J'espère que vous avez quand même aimé, apprécié. Même si j'ai titillé certains fans de ces gens-là. Prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai plein d'idées en fait. Je ne sais même pas par laquelle je vais commencer. Mais voilà, je vais essayer d'en faire un petit peu plus fréquemment. Donc des vidéos très probablement un petit peu moins travaillées à l'avenir. Allez, c'était Strateur. Et au fait, pour finir la vidéo... BOUM!